Et Yomina, c'est Maître Dream, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo détente bien sûr, sur Warpath Jurassic Park. Alors c'est un vieux jeu que j'ai voulu m'acheter il y a longtemps, j'étais bien jeune, hein. Et j'avais vu ce jeu, enfin Jurassic Park bien sûr, et c'est pas un jeu comme les autres. En fait c'est pas un jeu où on va devoir jouer un humain ou un dinosaure et avancer dans l'aventure. En fait là c'est, en fait on va devoir jouer un dinosaure, mais ce sera en mode voilà, en mode jeu de baston comme vous pouvez voir. Et on n'a pas tous les dinosaures dès le début, hein. Il nous en manque 6. C'est une vidéo détente, je me suis dit on va voir ce que ça donne. Mais on a quand même l'acro, le giga, le raptor, le T-Rex, le Sticky, le Stipo, le Ankylosaure, le Styrac. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va commencer par le... On va commencer par le raptor. Le raptor. Touche select pour annuler les choix. Ouh, lui, il commence par le giga. Lui, c'est déjà un enfoiré. Lui, c'est typique un gros connard, lui. Parce qu'il commence déjà par le giga. Oh, attention à l'entrée qui démonte tout. Oh, sympa. Je ne connais pas le jeu. Combattez. Et t'es en plus, hein. Alors, je ne connais pas les touches, hein. Je ne sais pas s'il y a des enchaînements. Je ne pense pas, personnellement. Alors, il y a une touche de jauge de puissance. Et une jauge d'esquive, on dirait. Par contre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas encore. Victoire. Alors, je ne comprends pas pour le moment. Alors, pour le moment, je ne comprends pas comment ça, ça joue. Combat 2. Combattez. Après c'est un petit jeu de combat, hein. Vous attendez pas des combines à des Hadoken ou des trucs comme ça, hein. C'est un jeu à mon avis, je pense pour les... C'est un fan game, je peux... fan game. Comment on appuie ça? Je sais pas comment déjà on appelle ça, mais un jeu qui est fait en fait pour les fans de Jurassic Park en fait. C'est plutôt pour délirer, c'est vraiment... Ouais, je pense pas qu'ils ont fait ça pour gagner de la thune là-dessus. S'ils ont fait pour gagner de la thune là-dessus, je sais pas s'ils se sont fait des couilles en or. J'ai peut-être pas des couilles en or, mais je sais pas s'ils se sont fait beaucoup, beaucoup de thunes dessus. En voilà un autre. Et regarde, regardez-moi ce coude. Vous avez jamais vu un raptor faire ça, c'est normal, mon raptor il est unique. Mon raptor il est... Il est bon, mon raptor il est... C'est un beau gosse, mon raptor. Je sais pas, je m'en vante pas, mais bon, je l'ai bien dressé, mon petit raptor. Par contre, j'aimerais bien pourquoi savoir, il y a une jauge qui se remplit. Oh putain, alors là, celui-là, il est méchant. Combat 1, combattez. Putain, je ne sais mal de coup, ça m'énerve. Oh, c'est quoi ce saut que je viens de faire? Eh, je suis Chuck Norris, moi. Bien sûr, je démonte tout le monde. Oh putain, mais c'est lui qui me dégomme. Regardez, il y a une rage qui se remplit. Il y a une jauge de rage rouge. Par contre, il y a un temps imparti. Bon, il va me niquer avant le temps imparti, tant pis. C'est lui qui a la première manche. Temps écoulé. Et c'est rapide le temps. Défaite. Combat 2. Combat 60 secondes. Et ça paraît court. Et ça paraît méga court. Mais il va me démonter ma gueule, lui. Rougissant.
Eh! Non, regardez, regardez ce qu'il a fait, mon raptor, il a fait. Du calme, mec. On n'est pas là pour se battre. Stop! T'es mort. Non, mais, sérieux, dégomme ma gueule, lui, ce fils de chien. Enfin, ce fils de dinosaure de con. Mais... comme il me déboîte. J'aime bien le temps mort, attention, ne touche pas. Putain, voilà, qui semble mettre fin au combat. Putain, il m'a dégommé. Partie terminée. Ah non, c'est game over, c'est game over. On part sur un autre dinosaure. Oh. Mais par contre, j'aimerais bien savoir les touches parce qu'on dirait qu'il y a une jauge qui se remplit, puis on tape, puis elle devient rouge, et après elle est complète et elle clignote. Je voudrais savoir en fait à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a des options pour dire les petites touches à... ça va ? La manette... la manette. Attaque rapide. Attaque violente. R2, c'est défier. R1, c'est bloquer. Ok. Bon, alors R2, c'est défier l'adversaire. Et R1, c'est... quand j'ai dit... ok, on arrête le jeu là. C'était pour bloquer attaque. Ok. Ben moi les amis, je vous dis que... on va partir sur... moi je pars sur l'ankylosaure. Moi je dis que l'ankylosaure, ça, il porte bonheur. Je dis qu'il porte ma bonheur, le petit ankylosaure. Niveau 1. Ankylosaure. Ouais, vous me voyez peut-être pas trop sur la cam, et vous avez vu que je faisais plus de vidéos cam, mais là on me voit moins parce qu'il fait extrêmement chaud. Et si j'oublie voler, je crève de chaud, ça me va. Combattez. Ok, là il m'a déchaîné. Tu veux ma queue? Ok, d'accord. Tu veux ma queue? T'aimes ma queue? T'aimes ma queue? Ah oui, t'aimes ma queue. Je suis un kangourou, je saute. Mais... non, c'est... kangourou. Kangourou, kangourou, kangourou. Ok, donc les décors l'ont dégommé. Regarde-moi cette action. Et bim, qui dégage. Par contre, si on gagne avec l'ankylosaure, je te jure que c'est n'importe... je vous jure que c'est n'importe quoi si on gagne avec l'ankylosaure. Eh, l'ankylosaure, c'est un fifou, d'accord. Regardez, regardez. T'aimes la boule qui est sur ma queue? Regardez, regardez-moi cette action, il aime bien ça. Oh, you touch my tra-la-la. Non, mais regardez, il aime la boule de sur ma queue. My ding-ding-dong. Victoire. Ok, donc il est enragé. Vous avez vu, dès que ma jauge s'est remplie... il a fait son cri du dinosaure et il a tapé la boule contre la queue. Par terre, dès que sa jauge de, on va dire, de rage était complète, et les dégâts ont été augmentés, donc en gros ça augmente les dégâts, c'est pas une activation. C'est cool. Donc voilà, c'est une petite vidéo détente, j'ai envie de... je vous fais de temps en temps des petites vidéos détentes. C'est sûr que ça, ça sera pas let's play, mais voilà quoi. Après, s'il y a des vidéos détentes que vous voulez voir en let's play, des jeux de combat pour débloquer les personnages, des jeux d'aventure comme Goblin, Ghostess Goblin, conneries comme ça, enfin Ultimate Ghost Goblin, bah dites-le en commentaire, hein, comme je vous l'ai dit, et j'essaierai de vous en faire un plus tard quand j'en aurai, de vous en faire de temps en temps et en terminant les autres. Allez, dégage ta mère! Tout à l'heure, t'as tué mon. Oh, ça meurt, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Allez, et c'est le mien qui a gagné. Victoire.
La première manche, on l'a. Et c'est lui qui a tué notre raptor. On va essayer de se venger. Combat 2. Combattez. On va voir Stiggy. Allez. Ah oui, mais c'est vrai qu'il faut appuyer sur R1 pour bloquer. C'est totalement dégueulasse. Depuis quand la touche R1 c'est fait pour bloquer les attaques? Oh, regardez-moi le coup qu'il m'a fait. Et puis depuis quand un ankylosaure fait ça? Voilà, depuis quand un ankylosaure sait sauter? Je suis désolé, un ankylosaure ça sait pas sauter. Merde, l'ankylosaure. Ok. J'allais arrêter l'émulation là en ce moment, j'ai appuyé sur le bouton. Et en fait, ça a eu un lag. Le jeu a eu un lag. Victoire. Mais on a gagné. On a gagné, donc on est au troisième. Le troisième, donc là on est contre. C'est Raptor, ça non? C'est que du Raptor que j'ai pris. Ah, il a été manger la chèvre. Oh, le petit connard. Ouais, c'est la gueule du Raptor, ça. C'est une grosse queue, c'est un Raptor. Combattez. Putain, comme il m'a contré, lui. Aucun dinosaure est capable de sauter comme ça. Regarde, l'ankylosaure peut pas sauter, faire des plaquages. Il se croit dans le catch, lui. Puis c'est comme j'ai envoyé charter le monstre. Enfin, le petit dinosaure, je crois que c'est un compi. Je suis pas sûr, je crois que c'est un compsidiatus. Un petit compi, je crois que ça commence par compi, son nom, le dinosaure. Mais je l'ai envoyé chier comme une merde. Vas-y, viens là, petit compi. Oh, il m'a redonné de la vie, je l'ai mangé. Oh, c'est insane. Temps écoulé. Oh, c'est énorme. Victoire. Combat 2. Combattez. C'est trop bien. On peut servir des petits monstres du décor comme la chèvre et tout pour se nourrir. C'est vraiment sympathique comme petite option. Là, t'aimes les coups de queue? T'aimes ça, hein? Ah non, c'est là où que je voulais aller. Ouh, il me déchaîne, il est énervé, c'est bon. Ouais, il m'a tué. Comme il s'est déchaîné, regardez ça! Les organes vitaux sont touchés! Comme il m'a violé ma maman celui-là! Combat final, combattez! Putain, comme il m'enchaîne celui-là! Eh, on va gagner au moins pour moi ou quoi, bordel? En plus, il a bouffé le compi. Non! Tu ne mourras pas. Écoulé. En plus, c'est qui a gagné? Oui! Victoire! Ah, mon ankylosaure, c'est un boss! Ah, mon. Ah non, mais je vous avais dit en fait, mon raptor, c'est. Je l'ai entraîné, il est fort. Mais quand j'ai entraîné mon anky, je savais qu'il était. Qu'il avait le pouvoir! Ah, vous imaginez même pas mon T-Rex. Mon T-Rex, c'est Chuck Norris. Combattez! Ah là on peut manger l'humain là.
contre, c'est un peu plus dégueulasse, ça, de manger les mains. Je l'ai envoyé baldaguer. Toi, tu vas te prendre des coups de boule. Mais pas le coup de boule que tu te prends au front. Hein. Vraiment des coups de cougnette, là. Ça devient de ma queue, ça. Donc, c'est des coups de boule. Allez, dégage. Regardez-moi, ce qui... Regardez-moi le coup de boule qui s'est pris. Boum. Combat 2. Combattez. Allez. Toi, tu vas te je vais te démonter ta gueule. Déjà. Ah. On va te remettre au sol. Et puis, comme je t'ai envoyé en l'air là, regardez-moi cette prise. Ah, je sais pas combien il y a de combats au total, est-ce que ça va jusqu'à 8 ou 10? Ah, là c'est un... Je crois qu'il s'appelle le Stegosaur. Au moins qu'ils vont appeler autrement, je sais pas. Comment c'est le Stegosaur? Comment il s'appelle déjà? Combat 1. Styrac. Ah ok, bah, ça s'appelle un Styrac alors. Et attention, un coup puissant dans ton cul. Comment ça a envoyé chier l'humain quoi. Toi, la vie de ma mère, je t'envoie chier. Je te fous des coups de burne. Voilà. Maintenant quand j'ai compris le jeu, tu fermes ta bouche. Hein. Ah oui, rien peut arrêter mon petit Anki. Mon Anki, il est Anki. Combat et il va nous mener à la victoire. Un coup puissant, un autre coup puissant. Donc ça c'est le coup classique, le coup puissant, et ça c'est les coups rapides. De ce qu'on a regardé sur le machin. On a compris un peu mieux les touches. C'est faisable. Niveau 6. Donc en vrai, on a eu, je pense qu'il y a 8 stages, comme les 8 dinosaures dispo dans le jeu dès le début. Vous allez dire, oui, j'ai souvent mal au cou. C'est vrai qu'en ce moment, ça me fait extrêmement mal. Donc j'évite de trop... C'est énervant, mais quelque chose de puissant. Voilà, coup puissant, coup puissant, coup puissant. Un coup rapide dans ta gueule. On est déjà en rage. Toi, je te démonte ta mère. Et... Boum. Victoire. Celui-là, il était rapide. Rien ne peut l'arrêter. Ah non. Je lui ai dit, on peut pas arrêter mon monkey. Combat 2. Combattez. Ah, un nouveau petit bug. Alors je sais pas si ça vient du jeu ou du... Si ça vient de mon jeu ou du reste, mais... Il y a des petits bugs, il y a des petits bugs. Ouh, il s'est pris l'électricité là. Ouh, il s'est pris l'électricité. Ouh, bien joué. Bien joué. Victoire. Comme je l'ai écrasé. En fait, on a juste à sauter dessus. En fait, quand je l'écrase là, j'appuie même pas sur une touche, c'est juste saute dessus. Et ça inflige des dégâts. C'est ouf. Ouh, ça se trouve, le boss final, ce sera le T-Rex. Attends, ça, c'est une gueule de T-Rex, mais ça ressemble pas à un T-Rex. Mais pourtant, le visage ressemble à un T-Rex. Ah bah si, c'est un T-Rex. Mais il est en version custom quoi. Ça ressemble pas à ça un T-Rex de buzz. Combat 1. Enfin, pas cette couleur là, pas vert. Mais t'es tout dégueulasse mon coco. Mais pas cette couleur là. Voilà.
Si je connaîtrais un T-Rex vert. Combat 2. Combat. Je crois que je serais choqué à vie. C'est dégueulasse en vert. On va s'énerver. Voilà. Et on dirait qu'on l'a provoqué là. À moins que notre jauge s'est rendue toute seule. Bim! Vous voyez, c'est assez simple en fait. Il est assez simple le jeu en fait quand on prend la prise en main. Donc après, il faut peut-être augmenter le niveau de difficulté. Là, j'ai pas touché, j'ai laissé comme ça. Je venais juste de lancer le jeu, je me suis dit, on se fait une petite vidéo détente dessus. Mais sincèrement, voilà. Oh, le boss, le combat final est dans la scène finale, enfin, une des scènes finales du Jurassic Park. La scène finale du Jurassic Park, ouais. Combattez. Et pourquoi c'est Karchar le dernier? Alors, est-ce qu'il est plus puissant que les autres? Je l'espère bien. C'est un gentil gaillard. Et bim! T'aimes les coups de boule? Ne perdez pas ce gaillard de vue. Ah, t'inquiète pas, là on est contre le boss final. Combattez. On va peut-être débloquer un dinosaure. Je sais pas comment ça se débloque dedans, logiquement c'est en terminant le mode arcade. Voilà. Ouh, il se défend bien là. Et attention, bim, gagné. Félicitations, mode secret déverrouillé. Ok, donc est-ce que ça se passe dans le musée, le mode secret déverrouillé? Voilà, donc on s'en fout, on a regardé. Alors, musée. Est-ce qu'on a débloqué quelque chose dans le musée? Bienvenue dans le Muséum d'Histoire Paléontologique du Jurassic Park. Vous y trouverez des informations sur les dinosaures présents... Oui, je m'en fous, sincèrement, arrêtez-toi. Le choix, c'est quoi le choix? Alors est-ce que j'ai choisi un dinosaure là? Non c'est bon. Équipe, survie, duel, exercice, arcade. On va faire avec le T-Rex cette fois-ci, on perd, on gagne. On n'a pas débloqué de dinosaure pour celui-là. Regardez, là ça a la couleur d'un dinosaure, bordel de merde. Là c'est un T-Rex, là c'est la couleur d'un T-Rex. Là c'est un T-Rex, pas le tout dégueulasse tout vert avec les rayures jaunes dans le dos là. En plus il pue. Celui-là, là on reconnaît mon T-Rex. Assoiffé de sang. D'où son dinosaure est plus gros que mon T-Rex. Enfin, je sais qu'il y a des dinosaures plus forts, plus hauts, plus grands que le T-Rex, mais là, ça fait pas. Victoire. Allez, dégage. Combat 2, combattez. Il n'y avait pas moyen de mettre un seul round. Ça aurait été bon ça. Moi, je vais pas quitter, sachant qu'on peut pas mettre un seul. Si on peut pas mettre un round. Hein.
il est énervé. Bim. Victoire. On dirait que c'est vénère. Ça, c'est un T-Rex vénère, comme j'adore. De toute façon, le T-Rex est mon dinosaure favori. Pas parce que c'est un puissant dinosaure ou autre, mais je trouve qu'il est très très beau comme dinosaure. Après, j'aime bien le Velociraptor, j'aime bien le Stegosaure, le Compi, Pterodactyl, c'est pas mal, le Diplodocus aussi. Ouais, il y en a pas mal de dinosaures qui sont super super sympas. Enfin, le Stegosaure, l'Ankylosaure, qui est sympa aussi. Et toi, je peux te manger si je fais ça? Ok, je me suis auto-niqué. Ah, dégage le Compi. Victoire. Il est tellement petit qu'on peut pas le toucher avec le coup de cœur. Combat 2. Combattez. Allez. Donc la jauge de rage qui s'augmente avec du sang. Dans le jaune, c'est bien sûr là-bas. Pour faire des dégâts supplémentaires. Ah, il a réussi à contrer mon contre. Avec une prise au corps. Bon voilà. Parce que lui, s'il se met en mode rage, l'ordinateur talent nous a démonté la gueule. Il nous a démonté la gueule, mais vraiment démonté la gueule. Donc j'ai pas envie de me faire démonter la gueule. C'est con, mais c'est comme ça quoi. On a pas envie de se faire dégommer. Allez, ah non, un petit tanky. Combat 1. Ah non, c'est un Stevie. L'ankylosaure, celui qui a la boule à la queue. Qu'est-ce que je dis, moi? Oula. Oh, le coup de boule que tu m'as pas mis. Oh, le coup de boule que tu m'as pas mis. Regardez ça contre. Le contre du T-Rex, c'est ça. Il me fait délirer, ce petit T-Rex. Allez, ta mère là! Ta mère la Stiggy quoi! Je l'ai tué, je l'ai pas mangé! Ok, le dinosaure quand il contre, il ouvre sa bouche. Temps écoulé. Et on l'a gagné le premier. Victoire! Combat 2. Vraiment c'est chiant le temps imparti. Bon, des fois c'est bien. Comme là, ça pouvait être bien parce qu'il aurait pu me démonter aussi la gueule. Mais parfois c'est chiant parce que t'aimerais bien finir le combat jusqu'au bout quand même. Là tu te dis, tu te rends compte que le mec est en train de te déchirer la gueule. Comme pas possible. Et là tu te dis, merci le compi d'être venu, j'ai pu te manger. Je pense que c'est lui qui m'aurait dégommé la gueule. Ah mais il m'arrache la gueule, sérieusement. Regardez, il me dégomme. Temps écoulé. Il est... Défaite. Il est chaud, il est chaud le Stiggy. Le Stiggy est très très chaud de night. Alors je trouve que l'Ankylosaure était très puissant. Le T-Rex est puissant hein. Mais j'ai pas la meilleure prise en main du T-Rex. Et je peux... Putain mais j'étais là Stiggy. J'étais là Compi. Compi de ta race. Une compile. Oh, là. Oh, je vais le dégommer. Je sens la puissance en moi, là. Là, je sens la rage de mon dinosaure monter. Je sens en gros que je vais me faire... Nickel, merci. Oh, si je gagne,
Je dis merci au compi. Oui. Oh putain, le compi qui m'a aidé, vous avez vu, j'étais par terre, en train de souffrir. Le compi il arrive, j'appuie sur le bouton, je le mange. Il arrive au bon moment. Ah, je suis heureux là. Là par contre, je vais me faire enculer par l'enquille. Combat 1. Non, mais pourquoi c'est toi qui se retrouve dans la scène finale? Putain, je sens que celui-là va être très très chiant. Non, non. Limite, mon T-Rex pourrait lui insulter dans la gueule en lui disant « Connard !» Oui, oui, t'es en colère, mais arrête de te faire taper pendant que t'es en colère, espèce de trompe-balle. L'ankylosaure, il va m'enquiller. Donc Kylosaur, je trouve qu'il a l'air d'être assez puissant dans ce jeu, de ce que j'ai pu voir. Ou ouais, à moins je suis très très nul avec le T-Rex. Hein. Hashtag je suis nul, hashtag tristesse. Aïe. Allez, dégage. Oh. Allez. Y'a moyen qu'on vienne, mes amis. Allez, là, espèce de pédé. Là, espèce d'ankylosaure de merde. Victoire. Ouh. Étonnant. Ah, tu peux le dire, je me suis rattrapé. Allez, combat final. Combat final, combattez. Ok. Ma chaîne est tellement rapide. Il va me déchirer, j'y sens. Ouh, je vais le déchirer. Ah, c'est bon, j'ai gagné. Victoire. Voilà. On l'a déchiré, c'est bon. Ne perdez pas ce gaillard de vue. Ah, ouais, je suis un sacré gaillard, tu crois quoi? Allez, on peut gagner. Combat 1, combattez. Allez. Oh, qu'est-ce que je te montre ta mère. Tu sais, si ta mère a viré le combat, elle aurait pitié de toi. Par contre, si moi je perds, ma mère, elle aura honte de moi. Ma mère va avoir honte de moi. Non, viens là la chèvre. Putain, la chèvre qui est pas venue à côté de moi. Combat 2, combattez. C'est un giga dinosaure qui va me dégommer la gueule, tu vois. Combat final, combattez. Allez, on est chaud. On est déjà en mode rage.
On peut que gagner. On avance bien, on a encore 3 stages. 6, 7 et 8. Et attends, celui-là, on l'a pas rencontré, ce dinosaure, c'est lequel? Combat 1. Ah si, c'est Accro. Alors, on a dû en rencontrer un, mais qui ressemblait pas à ça. Eh, mais purée. Oh, mais qu'est-ce qui me déchire, lui. C'est bon, on lui en fout plein la gueule. Je suis en rage. C'est moi qui me fais ravage. Victoire. Non, c'est bon. Combat 2. Combattez. Police qui arrive. On est des cambrioleurs. On est des malfaiteurs. Et vous nous arrêtez. Voilà. On est en rage. Victoire. Et tais-toi le chien. Je crois que c'est le chien qui se fait dégommer ou bouffer par le T-Rex dans le film. Je crois qu'il y a un chien qui se fait bouffer. Et le dinosaure, il a la niche dans. Il le bouffe dans sa niche et on voit la laisse, je crois, qu'il sort de la bouche du T-Rex. Je suis pas sûr. Regardez, ça, regardez. Lui, il est en. On va dire en couleur. Ils ont changé son chroma. Combat. Là, il est. Bleu-violet. C'est pour distinguer s'il y a le joueur 1, joueur 2, je peux comprendre. Mais c'est horrible. Pas à ce point-là, il faut pas changer les couleurs. À ce point-là, les dinosaures, les mecs. Par contre, c'est moi où il me déchire le styrac. Déchire. Il me déchire. Combat 2. Combattez. Ok, le mec il me nique en plein vol. Hein. Ah, il m'a fait un trou dans le dos, ok. Regardez, il me déchaîne. Le mec me. Le styrac me. On va dire clairement, hein, il m'encule. Il est en train de me niquer quelque chose de puissant. Oh, c'est trop fun, sérieux. Bon, je pense qu'on va se laisser là, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou vous abonner. Et voilà, c'était une petite vidéo de temps sur Warpass Jurassic Park. Ciao, ciao, Amina.